Francesco, Paola e leur fils Gianluca et Barbara, pour parler d'un rêve qui s'est réalisé dans le Tarn et qui a eu son commencement à Tourmion. Dans le hameau de Bouisse. Dans le Mayenne de famille, où la nature a offert ses produits spontanés, tels que par exemple les framboises, les fraises, le cassis. Après, il y a la yost, qui est un croisement de groseilliers et de cassis. Qu'est-ce que vous avez pensé de faire avec ces fruits de la nature? Tout de suite, on pensait de les vendre directement. Après, Et seulement qu'il y a une grande quantité, alors on a commencé à faire de la confiture, et après on a fait des vinaigres, des fruits. Et vous avez pensé à quelque chose d'innovatif? Oui, on a pensé tout de suite au vinaigre de framboise. Justement, il existait le vinaigre, il existe encore le vinaigre de vin aromatisé à la framboise. Nous, on a dit pourquoi pas faire le vinaigre de framboise en tant que seulement framboise. Et on a essayé, on a fait deux ou trois années d'essais, et après on est réussi et on est parti avec le vinaigre de framboise. En ce moment-là, après l'année, on a augmenté, on a passé avec le myrtille, on a passé aussi la mûre, pour finir avec le cassis, petit fruit. Vous avez expérimenté beaucoup d'autres situations. Expérimenté, oui. On a cherché de valoriser dans le vinaigre les petits fruits. De la montagne, parce que c'est important. Dans le Val d'Aoste, alors c'est bien important de valoriser les produits de la terre. Oui, et disons que quand on a commencé l'implantation de la première implantation, il y avait très peu de framboises de cultivation au Val d'Aoste. Il y avait presque... Mais pas les plus grands. Oui, au moment, oui. Peut-être seulement spontané, voilà, se contrôler. Oui, disons que... Et après, on a dû mettre beaucoup de mètres carrés pour faire ça, parce que le vinaigre de vin, le vinaigre de framboise, il est pour faire un litre, il nécessite de presque un kilo. Oh, un litre, presque un kilo. Deux kilos. Deux kilos. Et alors, oui, alors tu comprends que... Ah ben oui. Il fallait faire beaucoup d'implantations, de surtout de framboises. Alors, vous avez pensé de proposer vos produits sur le marché. Oui. Et vous avez commencé à vendre dans les foires du pays. Uh-huh. Et après, on a commencé à les vendre dans les magasins. Ah. Et les clients qui achètent vos produits, ils sont des gens qui achètent une fois seulement ou bien ils achètent plusieurs fois le produit parce qu'ils démontrent d'aimer beaucoup le genre? Non, il y a déjà des clients fidélisés, puis il y a aussi des gens qui sont curieux pour le produit, ils l'achètent, après ils reviennent l'acheter parce qu'ils l'aiment. C'est aussi une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est un produit qui est maintenant, dans nos jours, c'est très intéressant sur le marché de la santé même. Oui, parce que nos produits, nos vinaigres ne sont pas pasteurisés, voilà. Alors ils tiennent toutes les propriétés des fruits. Voilà, ça c'est très 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 intéressant. Et c'est-à-dire? Pas pasteurisé, ça veut dire qu'ils maintiennent leurs propriétés organoleptiques, parce que c'est un produit vivant. Très bien. C'est une chose que je ne connais pas. Et papa et maman ont préparé le futur à leur fils. C'est-à-dire, vous êtes arrivés à construire une entreprise qui a un certain poids dans votre famille. Et vos fils, Gianluca et Barbara, peuvent penser de continuer l'attivité dans leur futur. À ce point, je me demande si c'est votre projet, si ça a été votre projet. Oui, c'est certain. On a pensé aussi à eux, obviamment.
Et ce sont déjà eux qui nous donnent des idées maintenant, qui nous donnent des inputs. Et pour des nouvelles transformations, parfois, on en discute déjà. Et donc là, j'ai pour le faire, disons. Vous-même, vous n'êtes pas assez âgé pour, pour ne pas avoir des idées qui sont modernes, mais certainement, les fils, c'est tout autre chose. Hein? Oui, mais c'est ça. Nous, quelque chose de nouveauté, on a déjà apporté. Maintenant, on est connu comme une entreprise de nouveautés, disons, parce que le vinaigre de framboise, c'est maintenant, ils sont déjà, sont plus une nouveauté, mais quand même, ils représentent représente un marché qui est né il n'y a pas oui, il y a quatre années. Voilà. Exactement, oui. Votre offre se limite à la production de vinaigre ou bien il y a quelque chose d'autre que vous pouvez nous raconter? Oui, non, on fait aussi des jus de fruits, particulièrement des pommes. Ici en Vallée d'Aoste, on a beaucoup de pommes. Et avec le vinaigre de pommes, justement, nos fils nous ont donné une idée de faire nous avons appelé balsamique de pommes. C'est quelque chose de fait seulement avec la pomme, c'est disons un peu une nouveauté et sur le marché ça aussi. C'est un aigre doux de pomme, disons, un condiment de pomme. Ça représente disons quelque chose de divers des autres vinaigres, comme on appelle, jusqu'à l'année passée. De votre description, ça a l'air d'être très bon. Oui, il est beaucoup aimé. Et les confitures? Les gens l'aiment. Ah, voilà. Oui. Et les confitures, oui, on fait les confitures de framboise, de myrtille, de yosta, de groseille, des fruits qu'on a. Des fruits qu'on a. Alors, votre entreprise est à Châtillon, c'est vrai? Oui. Il s'appelle la Douce Vallée. La Douce Vallée. Alors, c'est tout un programme, ça. Mais vous vendez vos produits seulement ici ou bien... Oui, et on vend un peu dans tout le magasin du Val d'Aoste. Après, on va dans l'Italie, on a des restaurants. On allait aussi à l'étranger. On est allé dans quelques mois dans les pays arabes et aussi dans le Japon. Quelque chose en Allemagne et en Angleterre. Et c'est des satisfactions parce que on porte nos produits qui sont nés dans un petit coin du Val d'Aoste et les savoirs qui sont dans les pays appréciés dans les pays très loin, c'est une satisfaction normalement. Dans le monde. Oui. Oui. Thank you.
Alors, les fruits, ils viennent importer ici dans l'entreprise et on les transforme dans des vinaigres, des confitures et des jus. Je tiens à dire que nos confitures sont faites seulement avec les fruits et le sucre, ils n'ont pas ni conservants, ni colorants, ni rien, comme tous les autres produits qu'on fait. Alors, la production, elle est faite pratiquement tout ici dans notre entreprise. On a des machines qui nous permettent de cuire, de pasteuriser, d'embouteiller, d'étiqueter. Et ensuite, on pense à la vente et on la fait directement ou avec Internet. Très bien, c'est très intéressant. Et on pourrait voir un peu ce qui arrive au-delà de cette table, de ce coin de vente. Oui, on va voir. On va tous ensemble. Okay. Allez, on y va. La capsule est l'étiquette. Oui, après on met encore des capsules au-dessus qui ferment, c'est la sécurité. Oui. Après on met l'étiquette. On met l'étiquette. Et on le met dans les boîtes, voilà. Et on est prêt pour l'avant. Mais même pour sentir le parfum, le goût. Et alors on y va. Ha ha ha.